Toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vraiment spéciale, hein, soirée sel en terre du milieu, et je suis avec le grand Toinou. C'est moi, Toinou. Alors, il nous a concocté une map. Alors, il a repris une vieille map, hein, qui date d'il y a plus de 8 ans, 9 ans, et avec une petite cinématique au début, avec, en gros, il y a plein de Valar, et voilà, il y a des Valar, et chaque joueur en aura un qui lui permettra de faire potentiellement des alliances. Bienvenue dans Ancel en Terre du Mieux, sur le point d'être lancé, j'espère que vous êtes prêts à rager sur votre sort et sur votre malchance. Exactement. Parce que du coup, Toinou va jouer un Vala du mal, et moi je vais jouer un Vala du bien. En gros, on pourra jouer sur la map. Elro, Illuvatar et Toinou seront les juges de cette guerre. Je suggère à tout le monde de soutenir votre partie entre le bien et le mal. Hashtag team bien ou hashtag team mal dans le chat. Sur YouTube, voilà. Et ça impacte évidemment. Hein. Plus vous faites de hashtag team bien, plus il y aura du bien. Et plus vous faites hashtag team mal, bah il y aura le mal. Voilà. C'est soit la corruption de Morgoth, ou soit la beauté de Yavanna, voilà, qui sera mise en place. Donc on est sur une carte spéciale. Ah oui, d'accord, on a directement full pouvoir, donc. Alors surtout, ne clique surtout pas sur le menu de pouvoir, ok? Sinon ça va faire. D'accord, ok, donc ne pas cliquer sur le menu de pouvoir. Donc vous pouvez voir que Lagdar a, on va dire, l'Isengar, et qui est en haut à gauche, et qui a du coup la terre, représentée par le héros Valar, qui est Celeborn. Nous avons Valar de la terre, tout simplement. Tout simplement. Ensuite, nous avons le feu. Alors le feu, c'est des Drakes. Nous avons Viper qui a une sorte de magicien, on pourrait potentiellement dire que c'est Sauron sous une autre forme. J'espère que vous allez sortir votre dose de sel. Ensuite, nous avons côté bête Jakune qui a un Hologai qui maîtrisera l'ensemble et qui a du coup comme Vala en vrai c'est hypothétique, hein, mais du coup là c'est Glorfindel. Glorfindel avec une lame. Ensuite, on a quoi d'autre? Les héros ont une vie sans fin, ils réapparaissent 5 minutes après la mort. Un Balrog réapparaîtra 30 minutes après la mort et arrive 10 minutes après le début du jeu. Les unités. C'est du royaume du feu. D'accord. Les unités apparaissent dans chaque royaume et chaque royaume a une façon de construire des unités. Wow, la map est vachement stylée, hein. Il y a quand même beaucoup de choses. Donc Elessar, lui, joue le bien. Enfin, le bien, il a Frodon. Voilà. Frodon, et comme. C'est lui son. Non, il y a Legolas et Elrond, je crois aussi. Ouais, mais du coup, son Vala, c'est qui? Bah, lui, c'est le Vala Aragorn. Y a pas Aragorn? Je sais pas, je le vois pas. Peut-être qu'il l'a caché, hein. Bah, je crois que les Valas sont déjà en train de. Ah, oui, d'accord, hein. D'accord, oui, il est déjà envoyé, d'accord, ok, j'ai pas vu. J'essaye de faire le tour déjà pour voir. Donc, y a Aragorn qui est ici. Ok, donc là, il y a Toum qui est en train de se regarder un peu. Je finis mon petit tour. Il y a le Harad. Oh, il y a le Harad, incroyable. Donc, Ilunt qui a le Harad. Avec, du coup, un petit Mumakil. Oh, il est trop stylé, le Mumak. Et enfin, nous avons les araignées du côté de Sirena. Si vous voulez faire une alliance, envoyez votre Valar. Alors, on dit, c'est un Valar des Valar, hein, pour info. Ouais, sur la case A du joueur que vous voulez. Non, mais c'est pour le chat, hein, pour que tout le monde soit au courant. Et salut Vincent, hashtag team bien, hashtag team mal. Oh là là, on a Mira qui dit hashtag team mal, à mort Lagdar. Oh là là, Jakune qui envoie directement son troll sur l'armée de l'Isengar, mais l'Isengar qui répond directement. Alors, je peux faire une forêt. Mais du coup, mes pouvoirs, ils aident tout le monde en soi. Oui. D'accord. Mais c'est aussi pour m'embêter, parce que moi, si je veux, par exemple, là, sur l'armée de l'Isengar, je peux invoquer des spectres. Oui, c'est vrai. Mais, c'est-à-dire que moi, mon Tom Badil, il peut te frapper, toi. C'est ça. Mais il peut pas. Je te propose, Zéro, que tu fasses ta loterie. Attends, mais c'est quoi? Ah oui, j'ai pas vu la loterie. Attends, je regarde juste les Drakes, ils sont trop stylés les Drakes. Alors il y a des Drakes, en gros il y a des Drakes, ils ont la texture du Balrog. Ouais, je vois ça, mais c'est trop stylé. On dirait des. Par où il n'y a pas de musique? Il n'y a pas de musique. Je sais pas, moi j'ai pas de musique. Toi t'as de la musique? Non, j'ai pas de musique non plus. Spider Reeds a déclaré la guerre au clan Reeds. $500 ont été retirés à Spider Reeds. What? Ok. En gros là ils ont déclaré. Ah! Là, il y a une alliance qui a été formée. Le royaume vert a formé une alliance avec le royaume terre. Donc, on a. Donc, Lagdar. Une alliance avec Lagdar. Ok, d'accord. Donc, en gros, nous avons l'Isengar qui est allié avec les bleus, hein, évidemment, et les Sars, hein, le fourbe qui s'allie. Alors, attendez, je vais faire la loterie, on va voir ce que ça fait. Elro, je vous offre chacun 1000 de ressources. Oh! Et je peux le refaire encore?
toutes les 2 minutes, on peut faire. Enfin, tu peux le faire quand tu veux, mais évite de trop spammer, quoi. Alors, Ah oui, écoute, je vais d'accord, faire ok. une loterie. Non, parce que là, le pouvoir est direct reopen. Oh, j'ai laissé des trames dans le toit. Dans le coin, plutôt. Oh, le pire. Directement une grosse loterie qui a été lâchée. Ah ouais. Ah, mais il est terrible ce sort en fait. Après, les dragons, c'est temporaire. Hein, ouais. Ouais, j'imagine, mais bon, du coup, c'est pas le moment de sortir, quoi. C'est marrant parce qu'il y en a un qui a la montagne du destin. Oui, c'est le Valar. Là, on Il y a a. l'Urs qui attaque les dragons, hein, il a pourpre aux yeux. N'empêche, le Harad, c'est trop stylé hein, d'avoir ça. Et puis, ils ont du maquis de base et du maquis, on va dire, sans Oui, la la faute laisselle. sur Vala est impardonnable. Ouais, Darka, je suis entièrement d'accord, c'est honteux. Hein. Bah, du coup, là, c'est un peu mou, là. On n'a pas les musiques en plus, c'est honteux, quoi. Presque envie de rajouter de la musique en fond, quoi. Bon, allez, faut que les gens se battent, là. Allez, on invoque la pluie. Moi, je pourrais invoquer le soleil. Bah non, tu vas pas faire ça. Bon, après, ça va pas changer grand-chose, non? Le royaume de la Terre a Attends. déclaré la guerre au royaume du feu. Alors, attendez, la Terre, c'est ici. Et le feu, bah, c'est juste à côté, du coup. Hein. Ok, donc les deux sont déclarés la guerre. Après, en vrai, go rajouter de la musique Alors incroyable. les bêtes ont formé une alliance avec le royaume vert. Bah, je Donc pense que déjà à deux alliances. je vais faire un alt-tab et rajouter une petite musique de fond parce que c'est vrai que ça manque d'une petite ambiance musique. Alors, attendez. L'outro musique. Wow. Je sais pas si ça existe. Ouais, non, l'outro musique longue. Je sais pas si ça existe aussi. Moi, je veux pas un truc calme, moi, je veux un peu ambiance, quoi. Du coup, pendant ça, là, on a le Harad qui commence à se fight avec les elfes. Royaume vert. Problème, ça va pas du tout avec mon truc, là. Aïe, aïe, aïe. Ah, attendez. Dans un instant. Bon, on va mettre ça, hein. Mettre ça en fond. Hein. Ça marche ou pas? Ouais, ça marche. C'est bien. On va dire que ça Bombadilo! marchera. Oh, il y Salutations a d'un corvidé, Draken! visage Salutations avec d'un des larmes Corvidé. de Oh là là, joie. ça y est, je suis de retour, c'est un carnage. Oh, Ça ça y est, met. ça arrive partout là. On Oh a le yeah. royaume terre, donc l'Akdar qui va se Oh! replier parce que les Drakes qui arrivent. Et franchement, je suis parti 2 secondes, là, c'est la fin du monde, quoi. Salut, je viens de débarquer, c'est quoi le but de la map? Alors, en gros, c'est de. C'est des rangers qui se tapent dessus et c'est des nous, moins heureux, on regarde et on invoque des trucs, on fait du random. Voilà. Ça. Donc, moi, je vais inventer un petit personnage qui va en gros rien faire à part enlever l'appui. Eh ben écoute, tu peux faire une petite loterie. Allez, petite loterie. Qu'est-ce que ça va faire? Je vous offre chacun un puits dans votre base. Oh, c'est génial ça! Bah c'est sympa ça. Allez, à mon tour. Genre, t'as fait spawn un puits quoi. Bah pourquoi vous avez des zéros de ressources? Ah, Oh, tu les as ils remis ont à pas zéro? de chance. Oui. Oh, c'est cruel ça en vrai. Ils ont pas de chance parce que là, 2 fois d'affilée, il y a eu un Eh, nombre n'empêche, de les petits mobs. mimacs là, ils sont en train de foncer tout droit sur l'armée des Lessars. Ah, Après, les les mimacs, sœurs est-ce qu'ils peuvent là. courir là? Parce qu'ils font pas beaucoup. Oh là là, oh là là. Oh, Alors ça moi fait je mal. pense que ça se fait un peu trop focus, donc sorry pour l'alliance. Oh! Mais par exemple, moi, mon sort d'inondation, il sert à quoi? Bah pour tuer les trucs qui sont invoqués, genre les dragons, t'aurais pu faire ton feu dessus par exemple. C'est vrai. Oui, bah oui, parce que du coup, moi, ça marche que pour toi. Mais oui. Eh oui, ok. Et là, on a une chance sur 51 avec notre loterie de bannir les pouvoirs de l'autre. Ah oui, ah oui, que moi je banne les tiens, quoi. Exactement. Et moi, si j'arrive, toi, tu seras mort. Tu seras observateur. D'accord. Donc, à voir celui qui aura de chance. Mais après, Alors, attention, on a le royaume des armées qui se bat on contre les réobtient elfes. nos pouvoirs, d'accord. C'est pas pour toute la Ah, game. peut-être. Peut-être. On regarde Le plus. pire. Par contre, les araignées, elles font quand même peur, hein, du côté de Cyrena, là. Elles sont en train de mettre une petite fessée, là, Ah, ça, c'est à des Jakuné, grosses là. araignées en plus. Ouais, elles font. Des descendants de Nazgûl. Oh, la Ok, donc. butte-lèche qui est directement utilisée. Oh. En vrai, l'armée du Harad, je pense qu'elle est pas mal, mais bon, Aragorn, il a l'air plutôt fort. Après, il a pas de pouvoir, Aragorn, du coup. Bah non, c'est un Valar. Ouais, mais du coup, ils ont pas de pouvoir à part. Non, Valar, c'est juste pour faire les alliances, hein, c'est tout. D'accord, Ils oui. Ah, ils peuvent peuvent même pas pas attaquer? attaquer. Non, ils peuvent pas attaquer. Ah, oui, Mais ils d'accord, sont immortels, c'est. donc bon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. À quoi bon se battre? Donc là, on a Ok, donc. directement un Lagdar qui revient à l'achat. Attends, le Avec ses Balrog cours de de Fire tueur. Realms revient dans 2 minutes. Le sorcier Ent.
Ok, d'accord. Je commence à comprendre. C'est du royaume terre, ça. Royaume vert, pardon. Mais comment ça, Drakkan? Ça va mieux, Drakkan? T'étais covidé? Mon pauvre, tu t'es reposé, j'espère. Hein. T'as reçu alors? Ah bah non, t'as pas reçu encore la. La Weta Elendil, là. Je sais que tu l'avais commandé. Bon bah j'attends que Tonou hein, fasse des pouvoirs, que je puisse utiliser les miens. Bah mais non, mais toi vas-y, tu peux utiliser ta loterie. Oui, non, la loterie je la garde, tu vois. Ça vient juste de commencer, ah merde. Je vous offre chacun le rebuild. On a fait en même temps MDR, je sais même pas ce que j'ai donné moi. Ah bah super. Moi je suis sympa, j'offre des rebuilds aux gens. Oh, Lagda, ah. Oh non. Oh c'est le crash. Oh non, pas maintenant. Oh c'est le crash. Ah là c'est un crash qui est vénère, non? Les Valar ont trop... on a trop utilisé nos pouvoirs, héros. C'est ça. Ça dure un tout petit peu. Ça crash. Attends, recule un peu de ton micro, ça dure un tout petit peu. Ah, game.dat, runtime error. Toi, c'est ce que t'as? Bah voilà, c'était à ma pucelle, bravo à tous. Oh non, ça se finit comme ça, là? C'est horrible. Oh, la tristesse. Tristesse. Bon bah, on relance. Et on relance une nouvelle fois. On croise les doigts. En même temps, ça a cassé, l'espace-temps là. Deux fois que tu m'appelles ça, je suis désolé. Hein, c'est la fatigue là. Ok, on se retape la petite cinématique. Tant jusqu'à la fin de l'intro. Comme ça, on peut voir Elrond, Aragorn. Alors là, ils se sont téléportés. Glorfindel. Ah, c'est juste qu'ils changent d'angle. C'est l'angle de caméra. Et en vrai, c'est trop stylé hein, de changer les angles comme ça. Le plus drôle, c'est. Le Bombadilo la texture de Saruman. Ah ouais. C'est Gandalf Saruman. Et merci beaucoup, Lokil76 qui vient de s'abonner. Oh là là, et Lokil qui. Et Loken qui s'abonne également. Bombadilo. Donc, 5e mois d'abonnement pour Lokil et 36e mois d'abonnement pour Loken. Oh là là, mais Loken, mais quel homme, quel dieu. Loken qui m'a battu dans le tournoi. J'espère qu'il ira loin. Bah c'est chaque tour c'est un équipier. Différent. Oui c'est un équipier différent. Je sais pas avec qui tu es tombé cette fois-ci Loken. Il faut que je finisse de commenter les matchs que j'ai eu hein, du tour d'avant. Mais voilà, ok. Allez, on va croiser les doigts que ça crache pas. Alors du coup, Lagdar et Viper ont gardé leur royaume, du coup, est-ce que ça ouais, change Viper ça c'est bon, Lagdar c'est bon. Alors Elissa, c'est les araignées du coup. Les araignées, on a Jacques le Harad. Ouais, elle fait tellement peur. On a Sirena qui a le vert. Arcterna. Pourquoi il s'appelle Arcterna l'objet? Bah le gars là, un peu comme ça. D'accord. La reine des araignées. Jacouné, il a le Harad. Sirena, les Ent. Et Ilunt a du coup les trolls. Les bêtes. Ok, bah vas-y, je suis une loterie moi. Vas-y. J'invoque. Oh! Oh là là, t'as eu une grosse loterie là. Oh bah super, comme ça je peux jouer. Comme ça tu vas pouvoir tuer les trucs que j'invoque. Et du coup, moi j'ai l'inverse, je peux invoquer Sauron du coup, comme ça on fait une battle. Oh ouais, trop bien, vas-y, go. Et je fais une loterie. Pouvez-vous offrir une maison à ces hommes sauvages? Ah ouais, oh non, mais dit direct en mode des hommes sauvages chez les gens, quoi. Mais t'es vraiment le monstre, quoi. Regardez-moi ce monstre. Les hommes sauvages, ils vont rien faire, regarde. Attends, Elisar. J'arrive. Oh non, il va les anéantir. Moi, je veux participer à la bataille. C'est honteux, là. Ça va. Non, ça va pas, Elisar. Je sais que t'es pas bien, là. Les bâtiments sont gratuits pour plusieurs royaumes, mais le temps de construction est lent. Je vous suggère de construire autant que vous pouvez immédiatement. Et oui. Alors certains royaumes qui ont directement tous les bâtiments, comme royaume bête, feu et, ouais. Et spider. Et du coup, eux, ils peuvent pas reconstruire. Alors en gros, les bâtiments, quand ils sont détruits, ça devient des décombres. Ah. Et les décombres sont immortels et ça se reconstruit au bout d'un moment. Ok. En gros, ces bâtiments, ça donne des ressources. Ah, ça commence direct avec une crise migratoire. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Oh là là, Lokil. Mais non, Lokil, qu'est-ce qui t'arrive? 10 abonnements offerts à la communauté. Qui du coup, c'est qui a offert? Qui a reçu un abonnement ici? Il y a Fantomas, il y a Jinx, il y a Tom, il y a Geltox, il y a Shadow. C'est marrant, c'est que des gens que je connais pas trop. Si, il y a Tom, je reconnais, mais les autres. Alors je vois pas au-dessus du coup.
Incroyable, merci. Ça fait trop plaisir, ça. Bah, je vais faire découvrir à une que c'est voir, en fait, c'est de la cave. Vas-y, refais une petite loterie, là, pour voir. Elroir, arrêtez de cliquer sur le bouton, ne rien faire. Arrête, Elro, là, ça a rien fait, ma loterie. Oh. Attendez, il y a Varil qui a été détruit. C'est qui Varil? C'est du Harad, c'est l'Euro du Harad. Ah. Après, il a pas l'air ouf. Pour sa gouverne, il a pas l'air foufou. J'ai volé l'or à Smaug. Le royaume du Harad qui a voulu attaquer Sirena, mais il est petit cachotier. Petit cachotier. Alors attendez, parce que la musique est un peu forte. Mais bon, elle est assez épique, donc on va laisser, tout va bien. Céoxys, ah tiens, Céoxys, tiens, juste pour toi, regarde, des petits drakes de version Balrog. Bon, la bataille est surtout tournée vers le sud, hein, comme vous pouvez le constater. Oh, les drakes, ils se sont fait défoncer, les drakes. Mais moi, je peux même pas intervenir, c'est honteux. Ouais, ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Oh my god, des drakes! Ouais, ils sont trop stylés, les drakes. Alors de base c'est une map sur BFM2 hein, que ouais. Tonneau a réussi à... J'ai pu ajouter des trucs de l'extension, bah, comme la horde des Mindrake, les unités d'Angmar et tout, les bêtes, etc. Ah, c'est malin tout ça, c'est malin. Bah, du coup moi je sais rien, je suis trop triste. Moi ce que je veux voir c'est les géants des montagnes avec des casques là. Tu veux pas invoquer un truc là que je défonce? Je vous prends 1500 de ressources parce que vous êtes déjà trop riche. Oh, bah, vas-y, moi je fais une loterie, je fais une petite loterie. Je vous offre chacun 2000 de ressources. Allez, let's go. du coup, ils ont gagné. Ils ont perdu. Enfin, ils ont juste gagné 500. Non, mais moi, est-ce que tu peux invoquer des choses sur la carte, toi? Bah, moi, des spectres. Bah, vas-y, invoque tes petits spectres. Voilà, comme ça, moi, je peux m'en occuper. Let's go. Allez, Galadriel, transforme-toi. En vrai, elle est quand même plus stylée sur BFM2. Hein. Allez, fais ton pouvoir là. Fureur voilà, terrible. C'est son modèle, c'est pas le modèle avec l'anneau. Ouais, je vois. Effectivement, elle est en sorcière. Ah non, mais elle peut même pas faire son pouvoir Fureur terrible, c'est terrible. Ah bah lol, et non. Bah, super, j'ai des pouvoirs, je peux même pas utiliser quoi. Bon, allez, heureusement, j'ai une super. J'ai une tornade quoi, mais bon. Juste pour toi, alors. Bon, je suis sympa, voici plein d'argent et de pop et des lags. Oh non. Qu'est-ce que t'as fait? Bah regarde, ils ont 10 milliards d'argent et 10 milliards de pop. Oh là 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 là, le pire. Ouais, c'est mais pas il s'est vraiment fait plaisir, le petit Toineau. Hein. Bah, il y a 50 000 loteries chacun. Donc là, en gros, il a donné 10 000 de pop et 10 000 de ressources aux joueurs. C'est-à-dire que les joueurs, là, ils peuvent faire un max d'unités, un maximum de carnage. Non, mais tu m'étonnes que la map elle crash au bout d'un moment. Il y a trop de trucs sur la carte. Il se passe trop de trucs. Vas-y, Laura, une petite loterie. Allez, une petite loterie. C'est parti, c'est parti. Je vous offre pour chacun le pouvoir du soleil. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. C'est toi qui as invoqué le feu? Non, c'est eux, c'est eux. Tu leur as donné le soleil? Ah, c'est vraiment le soleil qu'ils ont? Mais what the fuck? Hein? 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 Oh, what the fuck, c'est génial. Eh, je trouve que c'est encore mieux que de donner des trucs comme ça, toi. Je trouve ça encore plus drôle. Oh, le... Eh, vas-y, Galadriel, brûle. Brûle un coup, là, il faut mourir. Non mais cette map, le chat... De toute façon les gens ils ont du bien d'argent, vas-y. Je ne m'attendais pas à ça et je ne suis pas déçu. 3000 de ressources, c'est quoi pour vous? Non mais ils ont déjà trop d'argent, ça sert à rien. J'avoue. Mais est-ce que ça m'arrêterait pas une petite forêt au centre de la carte? Ah bah pour la peine j'invoque mon terrain souillé. Oh non, voilà, c'est pas très sympa ça, c'est vraiment pas sympa de ta part. En plus là on a une musique épique là qui arrive. Bon, vas-y, il va falloir... Allez, j'ai l'impression qu'on fait que ça des loteries. Je vous offre chacun un chariot de guerre. Oh, mais c'est génial. Ah, ça, c'est les loteries les plus basses. Et est-ce que les loteries peuvent se répéter ou c'est vraiment aléatoire? D'accord, que je pourrais avoir 25 fois d'affilée la même chose, quoi. Ouais. Incroyable. Ok, donc là, on a directement 3 bobies qui se préparent. On a les araignées qui se tapent contre un mec qui... Oh, là par exemple 3000 de ressources, tu leur as donné 3000 de ressources ou tu... Je leur ai pris 3000 de ressources. Ah tu leur as pris 3000 de ressources, oui bah ils ont encore 10 milliards d'argent là. Forcément quand t'as 500 milliards de thunes, c'est pratique quoi. Non, bah, parce que en vrai moi, à part la loterie, je trouve que... Oh c'est toi là? Voilà c'est moi ça. Attends, je vais faire les poneys pour éteindre le feu. Lol. Eh oui, non mais fallait bien que j'éteigne le feu.
Ok. Bah voilà à quoi je sers. Hein. À éteindre le feu, j'éteins tous les problèmes de la carte. Non mais c'est, jamais de la vie ils vont terminer, c'est sûr. Les alliances bug, on n'y arrive pas. Ah, bah pas d'alliance du coup. Bah vous faites pas d'alliance. Elro le pompier. C'est un peu ça, c'est... Je suis le pompier de la zone. Je suis Olmo en fait. Je balance de l'eau et tout. Je renverse les océans. Oula, Shelob a été détruit. Oh, ça y est, c'est un carnage là. Ça brûle de partout. Ça, c'est encore toi ? Non, non. Comment ça se fait qu'ils ont eu le pouvoir du coup ? Quel pouvoir ? Bah, je sais pas, il y en a un qui a fait. Ça va, oui ? Ouais, mais du coup, c'est qui a fait le pouvoir du soleil encore ? Bah, je sais pas. Il y avait peut-être. Soleil, du coup. Ah, en vrai, il y avait peut-être encore un joueur qui l'avait quoi. Bah, oui. N'empêche, le mec avec ses Drake là, Viper là, il se met bien là, parce qu'il a quand même pas mal de Drake. Bon, je vais faire une petite loterie. Donc, attends, je clique. Je vous offre ma forêt. Oh là 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 là. Ah oui, mais la map est vénère là. Comment ça se fait qu'il y a autant de forêts d'un coup? Bah, non. Avec un truc, tu peux faire plusieurs points. Ah ouais. Allez, rajoute le sens. Toi, nous, on a juste passé 3 jours sur la carte, hein. Oui, ça c'est vrai. Toi, nous, il est juste fou. Elro, arrête de cliquer sur mes trucs, ne rien faire. Comment ça, ne rien faire? Ah bah, désolé. Je fais ce que je peux. Oh là là. J'ai l'impression que Jakuni va se faire défoncer. Là, peut-être que les joueurs ne voient plus rien sur la carte à part leur vision à eux là. Ah, c'est pas l'imperce nuage qui va changer quelque chose du coup. Non. Ah, du coup, eux ils voyaient rien du tout à part la vision qu'ils ont. Alors, si je me souviens bien, en gros. À oui, chaque instant, tu te rappelles de la map AOTR, tu sais, la Moria, où la map elle se remettait en noir. Oui. Bah là, je crois que j'ai fait pareil. D'accord, ok. Donc en gros, ça s'est reset un peu en termes de vision pour eux, quoi. Oh là, les trolls qui arrivent directement au corps à corps des arbitriers. Ça va faire. Je fais un blinds. Un blinds? Ah, les petits spectres. Bah écoute, j'invoque ton body là, parce que bon, faut bien. Et tiens, je vais faire un heal. Enfin, un pouvoir qui pourrait être utile. Bah ouais, j'ai eu tout le monde, c'est le bonheur quoi, c'est le petit bonheur, la chance. Oh, ah oui, t'as fait le pouvoir des spectres, t'es le pire. Oh, regardez, il y a des breaks qui arrivent. Oh là là, c'est un carnage. En fait, regarde Lent ici là. Lent ici ou ça? Lent qui est petit à droite. Ouais, qui est dans les spectres. Ouais, c'est un Lent bizarre. C'est un Uorn. Les Uorn sont des Ent, mais qui sont méchants. Surtout ils ont un état vraiment d'arbre basique. Oui, c'est ça, ils ont vraiment état d'arbre, mais ils sont sauvages quoi. C'est des Ent sauvages. Ils sont pas très commodes, il faut pas les déranger. Vous pouvez les retrouver dans la vieille forêt où vit Tom Bombadillo. Je vous prends 1500 de ressources, vous êtes déjà trop riche. Toujours plus de loterie, vas-y. Je vais lancer dans 3, 2, 1. Je vous offre chacun le soin. Oh là là, mais je suis quand même sympa quand même. C'est trop fort. Oh, le soin qui a directement été claqué chez Viper. Le sorcier Ent a été détruit. En vrai, le seul truc que je fixerai sur cette carte, c'est le son. Parce que du coup, on n'a pas de son. Ouais, c'est bizarre. À part du coup la musique de fond que je vous ai mis, évidemment. Ah, Viper qui a son Balrog. Le puissant Balrog est arrivé pour se battre le royaume de feu. Mais ça, c'est. Ça c'est un gros son héros personnalisé, quoi. D'accord, mais ils peuvent tous en faire un. Non, c'est parce que vu que le héros il est trop puissant, il spawn au bout de 10 minutes. Ah, d'accord. Il a un mot de mort, le Balrog, pour te dire. Ah oui, un mot de mort. Elro et Tonou possèdent des nouveaux pouvoirs divins pour votre plus grand plaisir. Allez, alors ça, c'est par rapport à la loterie. Attention, Wyrm. Oh là 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 là. Oh, bah oui. Très sympa, en tout cas, cher Tonou, hein. Je vais pas invoquer une tornade pour des Wyrm quand même. Bon, je vais essayer de les anéantir avec Galadriel, je sais pas si ça va marcher. Aïe, c'est terrible. Ouais, le Balrog. En vrai, le Balrog, c'est dommage qu'il ait pas le skin un peu de Gothmog. Ah oui. Genre, je sais que sur certains mods, il a un marteau et tout. Ouais, il a un marteau. Je crois que c'est sur Dagor ou sur d'autres trucs. Ça a été pris peut-être d'Eden ou des trucs comme ça. Ouais, ce fight avec les Drake. Oh, le petit combat Balrog Wyrm Drake là. C'est un mec qui a totalement écrasé le guard. Ah oui, je viens de voir, oui, ça fait très mal ça.
Les drakes qui balancent même des flammes. Même les flammes sont stylées. Elles sont un peu violettes, orangées. Il y a un petit dégradé qui fait plaisir. Par contre, tes worms, ils sont immortels. Hein. C'est pas possible. Hein. Ils sont cheatés. Hein. Bah, ils vont bientôt disparaître. Hein. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à les taper, quoi. Nous devons trouver l'ennemi. Et est-ce qu'au bout d'un moment, du coup, ça peut se finir rapidement? Parce que là, pour l'instant, je vois aucun joueur qui est vraiment en PLS, quoi. Tintin. Et surtout, le truc, c'est que ils ont eu une merde d'argent et une merde de pommes. Attends, t'as fait une loterie, donc là, c'est à moi de faire une loterie. Vas-y, tu peux, hein. Ok, vas-y, 3, 2, 1, nouvelle loterie. Toi, nous ne peut plus utiliser ses pouvoirs. Let's go! Non, allez, ça, c'est fait. Plus de pouvoir du côté de toi, nous. Ça, quel plaisir. Du coup, là, ils vont tout utiliser. Là, ils vont balancer un maximum de choses. Oh, le bombardement qui vient d'être balancé du côté, je pense, de Jakune. Non, c'est Ilunt. Ilunt qui balance tout, là. Oh là 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 là, c'est beau. C'est très très beau. C'est très très beau ce qui se passe. On va les laisser faire. Oh, il y a un... Je vais faire un petit heal. Oh. Et vas-y, je refais une loterie parce que j'en profite parce que toi, nous, n'est pas là. Je vous offre chacun un puits dans votre base. Shelob est arrivé pour se battre pour le royaume des araignées. Alors, du coup, là, c'est pareil, c'est parce qu'elle est trop trop forte, du coup, elle arrive plus tard. Non, c'est parce qu'elle était morte, du coup, elle a respawn. Ah. Du coup, le Balrog, c'est le seul à apparaître plus tard. Oui, et s'il meurt, c'est 30 minutes pour qu'il y ait. Get-moi ce Getter. Non, mais le Getter, il est tellement stylax. Ah, le Lac qui commence à être un peu dans le mal. Hein. L'Isengard qui sort de chez lui pour une fois. Lagda. Hein. On va lui mettre une petite forêt. Pour le bonheur de tous. Comme ça, il va pouvoir protéger ses arbitriers. En plus, il a un maximum de balistes. Oh là là, le Balrog qui commence à avancer. Alors, t'as dit que le Balrog il avait un mot de mort. Ah, c'est le mot de l'enfer. Le mot de l'enfer, exactement. Oh, je vois bien Viper faire un petit saut dans l'armée de Lagdar et ensuite de faire le... Oh non. Oh non. Non. Oh, oh non. Non. Oh non. Oh, c'est terrible. Le sel a vaincu. Oh non, mais toi, nous, faut faire quelque chose, là. Pourquoi ça crache comme ça, là? Je sais pas, surtout que là j'aurais plus de loterie, là j'ai plus rien. Ah, c'est honteux. Non, mais je suis désolé, en plus on pourra pas la refaire encore une fois parce que je fasse mon match au GDU. Donc désolé YouTube, mais je vais devoir couper la vidéo ici. Mais c'était pas fun. On va dire que c'était une vidéo fun. Vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemblait et tout. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez la revoir, mettez un commentaire sur les descriptions et potentiellement toi nous pourra corriger ou en tout cas faire en sorte que ça bug pas trop. Ouais, et je pense que c'est des joueurs dieux qui font plus bugger parce que ouais, le tri et tout. Ouais, je pense que en vrai la loterie ça c'est très bien, mais faire en sorte que je sais pas. Le principe de la loterie par contre est incroyable. Le faire sur n'importe quelle map, peut-être une map vraiment basique, mais c'est vraiment vachement bien quoi. C'est super, c'est super intéressant. Bon, en tout cas merci YouTube d'avoir suivi cette vidéo, même si vous aurez pas la fin de qui a gagné. En tout cas c'est nous, voilà, on a gagné. J'ai gagné parce que j'ai réussi à enlever les pouvoirs à toi nous. Parce que tu m'as banni simplement. Bah c'est ça, je l'ai banni. Donc je vous dis à bientôt YouTube, merci et à bientôt. Au revoir.